Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Dans cette guidance, on va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de novembre, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, le conseil du tarot pour vous aider à avancer et l'évolution sentimentale de ces prochaines semaines, de ces prochains mois pour vous. Voilà, on démarre tout de suite ensemble donc avec votre état d'esprit pour ce mois de novembre et on a le jugement. Donc, arcane majeur, grande arcane majeure, quelque chose de très important pour vous, le jugement. C'est la renaissance, c'est la deuxième chance. La vie, l'univers, vous donne une deuxième chance parce que il y a cette espèce de réveil à la vie, le réveil de votre âme. Ça peut donc être donner une deuxième chance à quelqu'un, à une histoire, mais c'est surtout vous donner une deuxième chance à vous-même. C'est-à-dire que ça fait peut-être pour certains un peu moins de 2 ans que vous traversez toute une remise en question, que vous traversez toute une remise en question de votre vie, de votre état d'être, de votre chemin. Pour certains, il y a eu peut-être un éveil spirituel. Pour d'autres, ça peut être des changements extrêmement majeurs dans votre vie. Peut-être que certains ont changé de travail, ont laissé partir certains amis, ont peut-être modifié des choses dans leur famille. Il y a cette sensation qu'on modifie, qu'on améliore. Et c'est le moment du réveil de votre âme, c'est-à-dire que votre âme revient à la vie, revient sur son chemin de vie parce que elle ne se sentait plus à sa place. Donc vous, vous ne sentiez plus à votre place depuis, je pense, quelque temps. Et il y a vraiment quelque chose ici qui s'est réveillé. Donc on a une deuxième chance. On se dirige enfin sur le bon chemin. Ici, on est dans la sphère sentimentale, bien évidemment, pour les célibataires. Donc il y a vraiment une deuxième chance, donc encore une fois, soit une relation, soit pour vous-même, c'est-à-dire que peut-être que pour certains, il y a eu une séparation d'une relation de longue date, peut-être que vous avez eu du mal à vous en remettre, peut-être que vous avez dû modifier certaines choses, beaucoup de choses dans votre vie. Et aujourd'hui, on vous dit que ça y est, vous êtes sur le bon chemin, vous y allez en étant heureux, en chantant, en étant réveillé de ce que vous voulez maintenant vraiment dans votre vie. Et donc ça, c'est l'état d'esprit, donc excellent état d'esprit ici. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de novembre, on a le 2 de denier. Vous avez besoin, un grand besoin d'équilibre dans votre vie, dans votre sphère sentimentale. Vous souhaiteriez, par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, vous aimeriez que votre vie sentimentale soit aussi équilibrée, soit autant équilibrée que votre vie matérielle ou professionnelle. C'est une carte qui peut nous parler d'un choix. Moi, je le vois pas réellement comme un choix ici, mais c'est possible. Moi, je le ressens pas comme ça. Je ressens vraiment ce besoin d'équilibrer. C'est comme s'il y avait quelque chose dans votre vie qui était très équilibré. Donc, ça peut être par exemple votre famille, votre job, vos finances, et que on a ce souhait. Que l'autre partie, donc par exemple sentimentale, amicale, soit autant équilibrée. C'est jongler avec ses ressources, cette carte. Vous avez, je pense, le sentiment que c'est vraiment ce qui vous aiderait à vous épanouir, puisqu'on est aussi dans l'épanouissement personnel avec cet équilibre. On voudrait ici, on souhaiterait une harmonie parfaite et surtout concrète, donc dans la matière. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a la reine d'épée.
Alors, la reine d'épée nous parle de froideur. Je dirais peut-être même une rancœur que l'on a à l'intérieur de nous. C'est une reine, c'est la reine veuve et divorcée. C'est une reine qui a beaucoup souffert, qui en est devenue froide, qui est devenue une personne qui ne pense plus à ses sentiments parce qu'elle a eu beaucoup trop mal et elle se tient toujours prête avec cette épée à trancher. Et à barrer la route à celui qui lui fera du mal. Ici, c'est un défi pour vous de dépasser cette rancœur et cette froideur. Donc peut-être c'est forcément dû à une situation passée, du moins c'est ce que je ressens. Donc ici, le défi, c'est d'avoir assez de discernement avec cette carte, puisque cette carte nous parle de discernement. Revenez à un état beaucoup plus émotionnel, revenez à l'intérieur de vous, revenez dans votre cœur et lâchez prise sur votre mental. C'est une reine qui est dans l'analyse, qui est dans le mental, parce qu'elle n'a plus envie d'être dans le cœur. C'est une reine qui est très très intelligente, qui sait où elle va, qui sait trancher au bon moment. Ici, c'est un défi pour vous de dépasser ça. Vous avez été, je pense, cette reine d'épée à un moment donné dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un défi à dépasser. Dépassez ça. Revenez dans le cœur, revenez dans la confiance, dans l'amour. Retrouvez votre sensibilité, votre empathie et lâchez prise. Lâchez prise. Surtout avec le jugement ici, qui est la deuxième chance, on vous donne une deuxième chance. Donc lâchez. Retrouvez votre intérieur, le cœur que vous avez à l'intérieur de vous. Ça vous aidera à évoluer au niveau sentimental ici. Ensuite, on a le conseil du tarot qui vous est donné. On a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier dans les conseils, je pense, nous dirait de ne pas prendre des risques inutiles. C'est quelqu'un qui a récolté ses quatre deniers et on le voit très bien, c'est très très bien illustré. Il reste assis sur son coffre de deniers par peur qu'on lui pique, par peur qu'on lui prenne les choses qu'il a acquises jusqu'à maintenant. Donc dans le conseil, déjà on voit que vous avez une stabilité personnelle puisque les deniers nous parlent soit d'argent, soit de valeur que l'on a. On voit que vous êtes dans la stabilité à ce niveau-là. Mais ne jouez pas toutes vos billes si demain, par exemple, vous retrouvez quelqu'un, si demain vous allez dans une autre relation, ne jouez pas toutes vos billes, ne prenez pas de risques inutiles. Allez-y doucement mais sûrement. Restez quand même dans la protection de ce que vous avez. Alors, si c'est un conseil, c'est que peut-être que vous avez tendance, quand vous tombez amoureux, à vous lancer corps perdu à l'autre. On a une deuxième chance ici. Donc, ça veut un peu dire. Alors, ça. Sans vous faire culpabiliser ou sans vous faire peur, mais ne vous loupez pas. La vie vous donne une deuxième chance d'une histoire, donc soit d'une ancienne, soit d'une nouvelle histoire. Ici, on vous dit, ne vous lancez pas corps et âme dans cette relation, restez dans votre stabilité, gardez-en encore un petit peu pour vous, allez-y doucement mais sûrement, revenez à un état calme, posé et laisser les choses se faire tranquillement. Dans les conseils, ça peut être aussi cette sensation de quelqu'un qui veut tout de suite un engagement, qui veut tout de suite se marier, qui veut tout de suite avoir des enfants, qui veut tout de suite. En fait, c'est comme beaucoup de personnes, bien évidemment, quand on tombe amoureux, quand on fait une nouvelle rencontre ou quand on a une deuxième chance dans une nouvelle histoire, on a envie que les choses aillent. Beaucoup plus vite. Donc ici, on vous demande de lâcher prise, bien évidemment, lâcher prise sur le mental pour retrouver votre émotionnel, mais dans la matière, on vous dit attention, restez quand même en protection,
vis-à-vis de vous. Protégez-vous, ne donnez pas tout tout de suite. Et pourquoi? Bah parce que l'évolution sentimentale, elle amène une rencontre, elle amène une rencontre amoureuse. L'évolution sentimentale, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la joie. On est dans les coupes, donc on est dans les émotions, on est dans l'amour, c'est la célébration. Il y a une rencontre ici. Donc soit une rencontre de cette deuxième chance avec quelqu'un de nouveau, soit la deuxième chance avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, qui a fait partie peut-être d'un cercle d'amis, qui a fait peut-être partie de votre vie déjà depuis quelques années. En tout cas, on voit ici clairement dans l'évolution une rencontre avec des sentiments partagés, avec une compréhension, avec de la communication. Il y a une ouverture à l'amour. Il y a clairement une ouverture à l'amour. Vous allez être ouvert à cette rencontre, à ce nouvel amour. C'est vraiment une carte où il y a une promesse d'union ici. Alors moi, je veux donner de faux espoirs à personne, bien évidemment, parce que donner des faux espoirs, c'est assez terrible. Je fais une lecture de cartes de ce que je ressens, de ce que je vois. Ici, il y a vraiment une promesse d'union et qui pourrait arriver peut-être même assez rapidement dans les semaines à venir. Voilà, en tout cas, dans tous les cas, une ouverture à l'amour, une ouverture à la rencontre, une ouverture à la réussite, à la joie, au bonheur et à des émotions extrêmement positives. Et c'est ça votre deuxième chance. C'est ça votre deuxième chance. C'est l'ouverture à l'amour ici. Voilà les taureaux, j'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.